Ok, jodia, nous allons parler de ça qui relève et ça qui relève bilan. Et prends un petit temps, dans un petit bout de temps, moi je vais montrer nous tout ça qui est important que vous connaissez de bilan. Si tu en permets, nous, jodia, nous allons expliquer qui est ça bilan, expliquer autour combien de parties qui fait partie de mon bilan. Mais puis important, nous allons dire pour qui ça que l'entreprise, d'ailleurs, n'importe quelle entreprise, et pour qui ça ou même tout, vous devez gagner un bilan. Et nous allons expliquer qui j'ai pour faire un bilan, pour un bilan qui est équilibré. Et nous allons définir pour qui ça doit relever un bilan qui est équilibré. Et même technique, ça, que nous allons dire, ou qu'à appliquer dans la vie normale, ou qu'à appliquer tout pour l'État, ou qu'à appliquer pour n'importe quelle entreprise. Que vous travaillez pour lui, que vous comptable, que vous pas comptable. Sans regarder, on nous essaye de définir pour vous le bilan. Bilan, c'est ça qui relève une pièce comptable. Nous vous disons encore, un bilan, c'est une pièce comptable qui va expliquer ou qui va définir pour vous bah, tout le détail. Moi, pas gagner brosse avec le dia, qui gagne tout le détail qui va bah, vous santé. Financière ou entreprise. Donc, c'est comme ça que vous pouvez définir un bilan. Bilan, c'est une photo. Bilan, c'est un graphique. Bilan, c'est une hôte de route. Bilan, c'est un document qui dit que, mais qui sa entreprise a gagné, mais qui j'ai entreprise là dépensé ça a gagné, et mais qui j'ai entreprise a lui-même généré. Revenu. Ça, c'est la définition ça, que nous allons retenir pour lui, côté que lui expliquer si la santé financière de mon entreprise. On nous parle de partie de mon bilan. Mon bilan gagne deux parties importantes, et là que vous parlez sur mon bilan, il est facile pour qu'on ait ni, mais on série de chiffres, on série de thèmes comptables que vous apprenez, mais ou pas le que comptable ou lui-même dans feyan li ka écrit des légendes pour lui expliquer qui ça veut dire. Gagner deux parties principales. Gagner actif qui toujours dans colonne gauche là et puis après ça gagner passif. Les que nous wè mo sa yo nous kitan wè qui ça veut dire. Actif, passif. Donc gagner forme tout que gagner plusieurs types de bilan mais na focus jodi a là sur bilan entreprise. Gagner bilan comptable, gagner un paquet de types de bilan qui gagnent, mais la prêter sous bilan, deux types de bilan, et un bilan d'entreprise. J'en ai là, gagner deux parties principales dans un bilan, et il faut nous dire que un bilan, c'est un document que un comptable fait, gagner un paquet de documents, gagner état financier, gagner état des comptes, ça c'est un adagio qui va montrer santé financière d'entreprise là. Gagner une différence entre actif et passif, et les que on entend des actifs passifs, bien un mot qui toujours vient en tête chaud. Et avant que nous allions, on a tout dit. Bien ça, les capital propre. Valeur propre que vous gagnez pour faire une entreprise. Tendez bien, l'IPA fait partie de actif, mais plutôt l'IPA fait partie de passif. Capital que vous gagnez, lui-même, l'IPA fait partie de passif. Donc, on y a là, on met ça de côté pour nous. Donc, valeur comme que vous avez gagné. Capital social là, encore une fois, il pas fait partie de actif, mais plutôt il fait partie de passif parce que c'est comme que vous allez dépenser pour qu'à financer, pour qu'à maintenir actif que vous gagnez. Dépendamment de qui type de risque vous gagnez, actif différent. Par exemple, une entreprise qui est dans le domaine technologique, il a mis des programmes ou des applications. Comme un actif, ou acheter un paquet de programmes, Microsoft, Windows et Photoshop, yo tout yo même, yo fait partie de actif entreprise là. Si que application ou entreprise là, eh bien, un bureau que vous gagnez, ordinateur que vous gagnez, yo tout yo même, yo fait partie de actif. Ça, c'est pour entreprise bien simple. L'autre bagage que vous allez gagner tout comme actif, c'est par exemple CAI, propriété que vous gagnez.
yo tout ça yo même yo fait partie de actif. Gayon paquet bagaille que nous ka signer nous ka mettre maintenant pas permettre pour nous ta lister tout ça qui fait partie de actif. Mais ce qui est clair c'est que tout ça que ou connaît que ou même ou gagner et ou ka même mettre personnel pour valeur moun que ou gagner yo tout yo même yo ka fait partie de actif. Si que ou gagne moto dans la rue marron si que nous est bien si que ou gagne machine yo tout yo ka fait partie de actif. On nous connaît garder passif. Ou quand ouais généralement passif c'est ça qui pas liquide. C'est ça que qui pas mobilier. Par exemple, nous dit que ou gagne un paquet capital. Ou gagne 100,000 goudes ou bien $100,000 dans main pour faire entreprise à marché. Tendez bien oui, même si comme ça c'est dans banque lié ou pas carré passif, pas carré actif parce que ou pas dépenser. Kounya là m'a regarder ou dit que vous gagnez $100,000, $100,000 pour faire entreprise à marché, comme ça, est-ce que c'est pour vous même nier? Ou bien, est-ce que c'est prêté que vous prenez une banque, ou bien est-ce que c'est moun qui investit ensemble avec vous? On considère que c'est moun qui investit ensemble avec vous, donc investissement, ou bien partenaire, vous même faire partie ça, vous une compétence passive. Et si que c'est une banque, que vous prêtez comme prêt bancaire, les vins tombent tout dans le passif, tout tombent dans la catégorie capital. Nous, qui est capital de la Cognac, les balles tombent. Et si que faut payer à tout les machines, faut payer assurance. Comme c'est dans un business, faut qu'on série de frais pour payer. Par exemple, faut ou patente. Ça, c'est quoi, Néa? Tout ça que vous allez payer l'État taxe avec impôt, c'est le même Kounia qui va le permettre que vous même vous déterminer est-ce que ou et comment que vous allez passifa parce que ça vous allez utiliser pour financer actif que vous gagnez. Et si que on a les plus loin toujours, si que ces produits que vous vendez, marchandises que ou gagne yo même tout yo fait partie de actif et puis devant peut-être et mercredi nous vient pour nous parler de inventaire nous on parler de dépréciation nous on parler de appréciation tout ça yo même yo pral entrer dans quatre marchandises que ou gagne yo même tout qui fait partie de actif tout nos actifs salaire parce que ou gagne employé pour payer que tout ça au même de faire partie de passifou et pour obliger payer ça encore une fois n'a effacé à main nous parce que nous pas gagner et brosse ensemble avec nous kounya là donc nous expliquer au qui ça nous actifier nous expliquer au qui ça fait partie de actif là nous expliquer au qui ça fait partie de passif là kounya là avant même que nous pour qui ça pour obliger faire un bilan chaque année pour entreprise ou pour bilan tant que ou même ou mettez c'est parce que l'offre faut raison qui fait que vous faites un bilan c'est pour kawé et pour équilibrer bilan ça attendez bien gien moun qui pensait que les que ou équilibrer ou pour arriver dans face ça les que vous faire un bilan c'est pas pour garder est-ce que ou a bien passé c'est pas pour garder côté ou faire profit c'est dans l'autre document qui est l'état des résultats, c'est là où on va le connaître. Est-ce que vous faites profit, on va générer profit brut, profit net, ça nous devons nous faire après. Non, comment que nous avons défini un bilan qui est équilibré? Nous définissons un bilan équilibré tant pour un bilan côté que dans actif là, avec dans passif là, li égal à zéro. Boum. Parce que passif là, c'est quoi vous avez besoin pour financer. Donc, si que vous gagnez un bilan dans fin d'année pour être comme dans le poche, ou gagnez par exemple pour être 1000 gouttes dans le poche, et bien, balance et bilan ça n'est pas équilibré. Un bilan, c'est un budget que lié. Combien quoi vous avez besoin pour faire tel bagage? C'est ça qui aurait le bon budget ou bien un bilan
combien de cobres que vous avez besoin pour faire tel bagaille. Combien de cobres vous avez besoin pour dépenser pour tel bagaille. Combien de cobres vous gagnez pour dépenser pour une entreprise qui n'a pas rien à voir avec profit ou bien bénéfice. Et si que non pas si vous gagnez un négatif 1000 gouttes, encore une fois, bilan ça n'est pas équilibré. Un bilan équilibré, allez bien, équilibré, c'est là que vous gagnez zéro actif, zéro passif. Si que vous gagnez un positif ou un actif là, c'est que vous êtes mal contrôlé. Un comptable qui fin année avec quoi dans le budget ou bien actif, qu'on est un mauvais comptable. Et si que vous finit avec moins de quoi, c'est un mauvais comptable, ou supposé faire une enquête pour connaître qui j'en peux gagner surplus ou bien qui j'en peux gagner déficit. Même j'en avec budget l'État, budget pays. Budget, il dit qu'il faut qu'il y ait équilibré. C'est pour ça que l'État, chaque mi-année, au moins deux fois par année, il est toujours voulu réviser budget, soit à la hausse, soit à la baisse. Même j'en avec bilan. Si vous avez un bilan pour l'année, et puis où est que bilan trop petit pour réaliser ça qu'on a besoin dans l'actif là, mais pour demander pour reviser à la hausse, côté que pour demander plus de cobre pour faire travail là, ou bien pour retirer cobre dans l'actif, ou pour retirer les dépenses, pour assurer que vous gagnez assez de cobre pour faire travail là. Et si vous avez pour que cobre vous demandez à toi, pour ça qu'on va faire, encore une fois, soit que vous augmentez les dépenses ou dépenser marketing pour que dans la fin de ou gagner zéro dans chaque boyau. Si que ou gagner un goutte là, c'est que li pas équilibré. Si que ou gagner un goutte là, li pas équilibré, faut que li zéro zéro des deux côtés. Qui pour cette kounya pour nous dit pour qui raison? Qui est ce monde qui besoin faire un bilan? Pour qui ça ou on doit gagner un bilan? Là que ou faire bilan, li pas un document interne. Moi répète oui, un bilan pas un document interne. Je répète pour nous, un document, pas un bilan, pas un document interne. Là que vous faites un document, ça, vous mettez un côté pour n'importe 5 ans, 20 ans, 50 ans, à n'importe quel moment. Investisseur eux-mêmes, vous dites, bon, oui, bilan ça. C'est bilan ça qui parle, ouais, que est-ce que gagner entreprise là, gagner en santé financière, est-ce que pronostic yo, est-ce que yo là? Et puis après ça, fiscalité. DGI a besoin d'un même coup. DGI besoin qu'on ait sous payé taxes. Il besoin qu'on ait est-ce que vous générez profit. Il besoin qu'on ait qui dépense que vous avez fait. Eh bien, combien qu'on peut gagner le cas généré, le fiscalité. Donc, comme Haïti, nous avons un système déclaratif de taxes. Eh bien, on va dire que vous avez un quitus ou bien vous avez un débat. Faut ou même ou ka montrer combien cob que ou gagnez et combien dépenses que ou générez. L'autre raison encore qui fait que ou besoin et un bilan, c'est pour si que ou t'as besoin cob prêter la banque. Ou dit banque là, mais qui ça que moi compte faire, mais valeur cob que moi besoin, ou y a ou ka tout font notre prévision budgétaire. Ou dit que les que ou fin fait tout ça pour besoin faire yo, et bien pour ka générer tant valeur profit qui c'est un autre document que lié. C'est tout ça yo pour investisseur yo, fiscalité, banque ou même que ou de gagner local utiliser les comme un archive. Même j'ai avec l'État haïtien, un ministère gagne un budget ou bien l'État haïtien bail un contrat avec une compagnie, c'est pour ça que les deniers publics, et bien à n'importe quel moment, cours supérieur des comptes et du contrôle administratif, l'IC a intervenu pour lui faire un audit. Donc, vraie raison, c'est pour audit que l'IE. Valet cobre que ou dit que ou entre à, est-ce que ou dépensez, et si que dans le cas de l'État haïtien, il y aurait que ou pas dépenser comme la bien, ou bien ou dépenser le mal, et bien c'est ça que vous avez un demande de fonds. Si c'est une mauvaise gouvernance, eh bien, l'État haïtien, Caraba ou décharge pour ça, nous gagnons plus devant pour nous expliquer au type de décharge que l'État cabaye, les cabas ont arrêt de débat ou bien ont arrêt de quitus, nous gagnons de après. Donc, en résumé, mes amis,
Mais qui ça bilan y est aussi simple. Un document aussi simple que lié, il est composé de deux parties, actif et passif. Et on répète pour nous que valeur comme que vous gagnez en banque là, capital social, il n'est pas fait partie de actif ou, même si que vous gagnez en bas matelas, même si que vous gagnez dans des poches, même si vous gagnez en banque, il n'est pas fait partie de actif, mais plutôt il fait partie de passif. C'est temps par nous cognard pour nous poser des questions et moi pas regarder pour moi est-ce que gagner commentaire, est-ce que question pour nous continuer avec classe sous bilan que nous fait aujourd'hui là. Donc et il t'a semblé que pas une question non, OK, m'ai menti. Et comptabilité qu'a fait, OK, on a commencé depuis un professeur Rousseau. Professeur Rousseau, qui ça c'est point du jour qui dit lui. Et salut prof. Et puis nous continuons avec Saka Esperanza Kafel, femme Kripia. Nous gagnons actif Koutem. Bon, par contre, on veut dire et Juan Carlos Saint-Ville, Facebook user. Et puis nous gagnons bon bagay, premier leçon encore. Ok, bel travail. Yo si tout comparer bilan avec photo entreprise là. Li doit refléter exactement comment entreprise là a marché. Exactement Juan Carlos Saint-Ville, c'est santé financière, c'est photo entreprise que lié. Li dit investisseur yo, mais qui ça lié? Mais comment que lié? Donc pour entreprise lui même pour connaître que comment pour lui fonctionner pour l'autre investisseur qui a intéressé à entreprise là. Et donc c'est nous gagnons Kounia là, professeur Rousseau, moi te gagne une question ou qu'on est moins oublié, franchement, moins fâché. Ah, ok. Songez question, brette et citronnelle pour qu'à songer. C'est bon remède pour mémoire. Didinel, encore une fois, mes amis, merci pour l'intervention. Yo. Merci pour mon guide à suivre. C'était un coup spécifique, bien rapide, un coup tout coûte, sous bilan. Et comme pas gagner trop de questions, mais plutôt commentaires, nous rappelons les commentaires, nous avons salué nous, nous avons remercié nous, nous avons dit bel travail, et bien, nous avons continué. Bon, et Juan Carlos, nous avons aimé que vous avez plus de détails sur ça que vous dites, actif coutem. Moi, pas, oh, ok, moi, je vais dire, c'est on sait que comme vous gagnez, ou qu'à gagner actif à long terme, ou qu'à gagner à court terme. Ça va dépendre de ou même qui gens que comptable ou à lui-même, les pral travaille sur ça. Forme d'où bien que un bon comptable lui-même l'a fait pour vous et après ça, l'a en mesure pour lui expliquer parce que c'est deux mots que vous ne connaissez pas. Et nous gagnons pour nous l'autre mot ça. Là, nous commençons à parler de inventaire, et bien, là, nous parlons de état des résultats. Vous parlez comment ça. Comment vous dit et bilan en anglais, c'est ça qui est le balance sheet. Ça, c'est l'autre côté de ce titre. Moi là oui, Esperanza, merci en pile, m'a suivre. Donc bonsoir, merci. Et merci madame Myrlène Saint-Flavin, les mêmes qui dit nous que là. Et OK, attendez bien, non pas c'est Bob Rousseau. Moi parler les Wod. D'ailleurs, un petit bel garçon que Wod. Wod c'est bon partenaire, bon ami, mais nous pas jamais sorti ensemble. Alain Soti, fille toujours moi-même, vous voulez filer, donc monsieur m'appelle garçon, m'y a avec moi. Bob Rousseau, le professeur Rousseau, moi pas Wod. Merci pour ces blagues-là, pour nous, quand même. Et n'a, rendez-vous nous encore, c'est demain, si Dieu veut, et pour un cours encore spécial, pour nous parler de toujours comment pour une grande, comment pour gérer l'entreprise, comment pour lancer l'entreprise. C'est pour ça que nous, là, nous mettons pour ça de côté. On va faire politique, nous faire éducation pour chaque bien de monde. En mesure de merci Dieu pour quitter un héritage pour famille pour petit yo. Merci à la Esperanza, essayez-moi si me fait. Est-ce que pas bel garçon qui Wod? Essayez-moi si m'a fait. On va pas répondre à ça. Merci à la prochaine.